trois élèves, notre traditionnel tournoi de basket entre les différentes classes commence. Par ici! Bien, très bien, Laura! Elle s'en sort pas mal du tout. C'est un match tout à fait passionnant, ça change un peu des autres fois. Oui. Je vais me trouver une place d'où je les verrai mieux. Attrape, Jimmy! Oui, attention! Coucou, c'est moi, Jimmy. Allez, va dans le panier. Mais enfin, tu es fou! Soit, c'est nous qui avons gagné le championnat. C'est nous les gagnantes. C'était formidable. J'ai trouvé ça très excitant. Oui, c'était génial. Toutes mes félicitations, Laura. Mais dans la toute dernière partie, tu as quand même peiné. Qui est-ce qui a fait ça? J'ai simplement voulu t'encourager de tout mon cœur. Je n'avais pas l'intention de te vexer, crois-moi, Julie. Toi. On a quelque chose à te dire, approche. C'est à propos des membres de l'équipe numéro 10. Ce championnat est très important, alors tu vas jouer, d'accord? Mais pourquoi? Enfin, vous faites partie de l'équipe, vous. Je ne comprends pas ce que je ferais. Oui, mais nous avons appris que les costauds de la classe de 9e avaient décidé de participer au championnat de basket cette année. Alors tu dois nous aider. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais les bourreaux des cœurs se sont inscrits eux aussi. Alors, tant que les costauds seront là, nous n'aurons aucune possibilité de gagner le championnat. Bon, je veux bien m'inscrire, mais comment vous pensez que vous gagnerez au juste? Une étrange attaque pour répondre à une attaque, tout ce qu'il y a de plus juste. Voilà ce qui va se passer. Le ridicule et l'insensé opposés au bon sens, notre bon sens, tu comprends? Ce n'est pas très évident. Tu trouves que ce n'est pas évident, toi? Eh bien, moi, si, nous allons écraser les bourreaux des cœurs et les costauds parce que nous sommes plus intelligents que nous sommes plus malins. Bon, eh bien, je vous souhaite à tous bonne chance. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ce n'est pas que nous refusions de vous aider, mais essayez de nous comprendre. Nous n'avons jamais joué au basket avant aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, écoutez, je vais vous apprendre les règles assez rapidement. Avant toute chose, il faut que vous vous teniez sur vos gardes et que vous ayez le pied léger. Nous sommes dans d'excellentes dispositions. Nous pouvons même voler. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est contre le règlement. Non, je m'y connais un peu en matière d'attaque, hein, ça ne m'est pas inconnu. Alors, montre-nous ça. Très bien, alors il faut d'abord frapper. Ensuite, frapper un corps. Et pour finir, on abat l'adversaire, et voilà. Le plus fort l'emporte toujours, et moi je suis la plus forte. Ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas de la lutte, mais du basket, vous attendez? Bon, alors vous allez nous regarder faire, c'est préférable. Ça, c'est le rond central. Alors, le match commence comme ça. On lance le ballon et il faut sauter pour l'attraper. Lorsque quelqu'un à côté de toi a la balle, un adversaire, il faut tout de suite passer à l'attaque. Tu traverses les lignes ennemies en dribblant et en faisant des passes. Et puis tu tires. Lorsque la balle tombe, il faut la rattraper le plus vite possible et recommence. Et d'accord, on a compris, c'est très simple finalement. Bon, très bien, alors à vous de jouer maintenant. Tout d'abord, on saute dans le rond central pour attraper la balle. Et puis on traverse les lignes ennemies en dribblant. Johnny, par ici, hein? Oui, très bien. Et ne pas oublier de faire des passes car l'ennemi est là qui veille. Et lorsque la balle retombe, il faut la rattraper le plus vite possible. C'est très important à rattraper. Ray, il ne faut pas que tu fasses ça tout seul. Et les autres? Ah, c'est perdu d'avance, j'en ai peur. Qu'est-ce qui va se passer pendant le match? Je n'ose même pas y penser, ça va être la catastrophe. Bon, alors voyons un peu ce qu'il y a d'inscrit sur le tableau. Quelle est la première équipe que les joyeux loufoques devront battre? J'en sais rien. T'as vu ça? C'est intéressant. S'ils remportent le premier match, ils pourront affronter d'autres équipes. Laura, je te trouve bien optimiste. Moi, je ne le suis pas. Les joyeux loufoques ne pourront jamais gagner. Sois lucide. Tiens, voilà justement Ray. Oh, j'ai très bien entendu ce que tu viens de dire. Mais tu es complètement fou. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, tu vois pas, les équipes ont été interverties. Les équipes ont été interverties?
Il y en a du public pour voir ces garçons. Oui, c'est parce que des équipes très célèbres vont prendre part au championnat. Lorsqu'il y a autant de monde, je me sens mal à mon aise. La foule m'effraie toujours un peu, c'est vrai? Rassure-toi, tous ces gens ne sont pas venus jusqu'ici pour te voir, toi. Tu en es vraiment sûr? Mademoiselle! Bonjour! Qu'est-ce que vous faites là, bande d'abrutis? Sortez tout de suite! Vous participez à ce championnat, vous allez jouer, alors asseyez-vous! Mais enfin, tout le monde ici dit qu'on n'a pas besoin de prendre des sièges parce qu'on va se faire battre tout de suite. C'est tout à fait exact, mais je ne veux rien dire, on ne sait jamais. Bon, écoutez, il faut que vous fassiez preuve de courage, mais ne faites pas trop attention au règlement. Passez outre éventuellement et jouez comme bon vous semble. La première mi-temps durera 20 minutes. Il y aura une pause de 10 minutes pour vous reposer et on repartira pour la deuxième mi-temps. À présent, le match commence. Un match passionnant suivi par un public nombreux et attentif. J'ai rien de spécial à vous dire, mes chers amis, faites ce que vous pouvez. Ce qui importe, c'est que vous ne soyez pas blessés, mais vous pouvez blesser vos adversaires. Si vous vous sentez en danger, passez la balle, ne la gardez surtout pas. Oui, mais si on fait ça, on va perdre, alors on peut pas, quoi. Ce qui me préoccupe, c'est l'état de vos petits corps musclés. Je me moque que vous gagniez ou perdiez. S'il vous arrivait quelque chose, ce serait trop horrible. Je sens mon courage me quitter peu à peu. J'annonce à présent le match qui opposera l'équipe numéro 1 à l'équipe numéro 10. Ouais ! C'est le match qui était prévu, mais au moment où ils ont su que vous étiez leurs adversaires, ils se sortiraient en déclarant forfait. Désolé. Je déclare donc l'équipe numéro 10 vainqueur de ce premier match. Ouais, on a gagné. Oh, bah ça alors, j'en reviens pas, ils ont gagné. On ne peut pas vraiment dire qu'ils ont gagné. Le deuxième match opposait l'équipe des costauds à l'équipe numéro 5. Les costauds l'ont emporté comme on s'y attendait. Le troisième match va commencer. Nous retrouvons l'équipe des joyeux loufoques. Et leurs adversaires sont cette fois les fameux bourreaux des cœurs. Le match s'annonce très intéressant. Ouais, les bourreaux des cœurs, on a gagné. La victoire est à portée de main, les amis. Oui, nous l'emporterons. Ah oui, les bourreaux des cœurs. Ah, ça ne va pas être facile, j'en ai peur. Et les joyeux loufoques, j'espère que vous allez gagner. Ce tournoi n'aurait aucun sens pour nous si nous n'avions pas l'occasion de nous mesurer à vous. Prêt? Allez-y. Allez, c'est parti. Oh, je suis tout dépeigné, zut. Je ne peux pas jouer comme ça, c'est impossible. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Attrape. Merci. Espèce d'idiot, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais enfin, tu sais bien que quand je vois des filles, je perds tous mes moyens. Bravo, merci, c'est le meilleur. Bravo, c'est formidable. Merci, merci beaucoup. Regardez un peu ça. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Pas mal, hein? Dis donc, fais le malin, quoi. Ah bah tiens, attrape ça, c'est pour toi. Et hop. Oui, les joyeux loufoques jouent franc jeu. Ils jouent très bien. Tu trouves vraiment que c'est bien ce qu'ils font? Eh ben voilà, c'est la fin de la première mi-temps. Pendant la deuxième mi-temps, les encouragements excessifs de ces filles vont devenir carrément intenables. Allez, attrape. Merci, allez, j'y vais. Et hop. Vite, elle est pour nous. Tenez-vous tous prêts, il faut marquer. C'est parti. Eh, attention, je suis là. Amenez mes nerfs, s'il vous plaît. Où je suis? Où je suis? Ne bouge pas, je vais marquer. Hop, le tour est joué. Ils font passer les lignes ennemies en dribblant la glace. Et on a gagné, tout ça c'est grâce à moi. Ouais, 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 ouais. Grâce à lui, oui. Je peux plus le supporter. Allons, calme-toi, Laura, ce n'est rien. C'est bien fait pour toi. Et toi, la grande brune. Laura, je t'en supplie, fais pas ça. Et vous vous y entendez plutôt bien en matière d'encouragement. Ah, mais dis donc, on dirait que t'encourages les joyeux loufoques, toi. Qu'est-ce que tu leur trouves de tellement formidable? Ils sont géniaux à plus d'un titre. Ah bon? Eh ben cite-moi un. Eh ben oui, par exemple, ils ont des visages très curieux et leur
à faire ici? Quoi? Répète un peu ce que tu viens de dire. J'ai dit que tu ferais mieux de rentrer chez ta maman. Tu risques de te faire blesser si tu restes. Non, mais pour qui est-ce que c'est pour espèce d'hystérique? Je vais te montrer qui je suis. Tu n'es qu'une sale pipelette. Tu vas voir de quel bois je me chauffe, hein. Moi, je me laisse pas insulter sans répliquer. Je veux que ce soit elle et uniquement elle qui m'encourage, pas ces centaines d'enragés qui hurlent. C'est ridicule cette façon d'encourager votre équipe préférée. Ça sert à rien si ce n'est à les déconcentrer. Et pendant que nous étions tout à notre dispute au sujet de la façon d'encourager les équipes, le match s'était terminé et les joyeux loufoques ont gagné une fois de plus. Panier. Je me demande ce qui leur arrive. Ils ont plutôt l'air mal en point. Ils ont été battus par les bons samaritains qui ont une meilleure tactique. Oh, ils me font pitié. Hé, hey, tu m'écoutes. Vous allez devoir affronter les bons samaritains. Alors tu ferais mieux de te préparer au lieu de siroter ton thé. Ne t'en fais pas. J'ai prévu tout ce qu'il faut. J'ai apporté ma trousse de secours. Alors allez-y. Et surtout, n'ayez pas peur. Je serai toujours là au cas où vous auriez besoin de moi. N'ayez aucune crainte. Mais même démons, je frappe fort. Je suis bien content d'avoir l'occasion de me battre contre des gars comme eux. Ça va être marrant. Nous sommes maintenant parvenus aux demi-finales de ce grand championnat. Allez, vas-y en premier, tu veux? Je crois qu'il y a un léger problème. On n'est pas tout à fait de la même taille. Allez, Jim, c'est moi qui te le demande. Allez-y. Joli. Mais qu'est-ce que tu fais, ça va pas? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, voilà un de moi. Monsieur l'arbitre, ce garçon vient de faire quelque chose de dégoûtant. Quoi, lui? Ben, je n'ai rien vu du tout, moi. Mais c'est impossible. Idiot, comment osez-vous nous charger de cette façon aussi directement? Qu'est-ce que vous avez? Ouais, les bonnes, en tout cas, on est largement supérieurs à vous, hein. En matière de bagarre, on est plus malins. Ah, les bonnes. Désolé, petit, mais c'est le jeu, pas vrai? Bon, d'accord, si vous voulez. Mais nous sommes supérieurs, nous, pour ce qui est des bizarreries. Regarde, Nora, reconnaissez-le, nous sommes large. Pas évident. Ah oui, ça c'est vrai, il a raison. Bon, c'est bien joli ton petit numéro, mais qu'est-ce que tu penses du mien? On dit que je suis le plus adroit de tous. Tu n'es pas d'accord? Pourquoi est-ce que je pose la question à la tête dégénérée? Les jeunes gens à notre époque ne savent plus ce qu'est le bon sens. C'est tout à fait regrettable, je le déplore. Ne t'approche pas de moi, espèce d'affreux recul, tu es trop laid. Et attention à la balle. Bien joué, oui, très bien. C'est toi qui viens de me lancer cette balle par derrière. Non, c'était une plaisanterie, j'ai fait ça pour rire. Ah bon, tu veux rire? Oh, j'ai peur, maman. Oh, pour me faire pardonner, j'enlève mes vêtements. Faut jamais faire ça. Tu es complètement fou. Arrête tout de suite. Je suis désolé. Préparez-vous tous au combat. Je compte sur vous. À l'attaque! Ouais, les balles, à l'attaque! Si jamais tu fais quelque chose de travers, gare à toi. Je n'aime pas qu'on fasse des choses dans mon dos. Qu'est-ce que vous aviez en tête, sale tricheur? La première mi-temps est terminée. Si ça continue comme ça, le match va se terminer sans aucun point. Et vous, je vais vous redonner l'énergie qui vous manque. Mettez-vous en rang. Vous êtes prêts? Attention! Sixième. Arrêtez de prendre ces voix bizarres.
Faites attention à ce que vous dites. Et ne vous approchez pas, vous entendez? J'ai horreur des gens qui usent de la violence. Vous allez voir. La deuxième mi-temps va commencer. On dirait que la chance est avec nous. Bon, écoutez-moi, les amis. Peu importe désormais qu'on gagne ou qu'on perde, ce qui compte, c'est l'état dans lequel nous les laisserons à la fin du match. Je compte sur vous pour en faire de la chair à pâté. Ils ont préparé leur zone de défense. Non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas savoir d'avance ce que je vais faire. Je n'arrive pas à y croire. Comment ont-ils deviné? Attention, pari pour la transformation, les joyeux loufoques contre-attaquent. C'est fantastique. Oh non! Bande d'imbéciles, vous pensiez nous avoir avec ce truc? Eh bien, c'est raté! Mais qu'est-ce qu'ils font? J'y comprends rien! Il ne reste plus que 10 secondes, c'est très peu! Ça y est! Panier! Le match est terminé! Quoi? Mais comment terminé? Bravo, vous avez gagné, je savais! Je ne trouve rien à dire, c'est répugnant. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas marqué? À quoi pensiez-vous? Mais parce qu'il est tellement laid. Est-ce que tu l'as vu de près au moins? C'est pas notre faute, nous en veux pas. Oh, oui, c'est vrai, vous avez raison. Dan, c'est formidable, on a gagné. Ouais, Lilo, on a gagné. Je n'oublierai jamais cette formidable impression que j'ai eue en regardant ce match. D'un autre côté, les costauds ont remporté une écrasante victoire sur l'équipe numéro 7. La grande finale va donc opposer l'équipe des costauds à l'équipe des joyeux loufoques. Bon, écoutez, même si vous ne gagnez pas la finale, vous serez tout de même bien battus, je tenais à vous le dire. Merci, merci beaucoup, Samson. Donne-moi quelque chose comme récompense. Tu changeras jamais. On m'appelle Radin. La question n'est pas de savoir si je suis Radin ou non. Mais je veux enfin pouvoir te rendre toutes les humiliations que tu m'as fait subir depuis si longtemps. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es devenu faux? Bah t'as pas besoin de crier comme ça. J'ai des comptes à régler, je les réglerai. Mais c'est ridicule. Écoute, la partie a commencé, ce n'est vraiment pas le moment, je t'assure. Qu'est-ce que tu dis? Et puis n'oublie pas que tu as dit que tu marquerais le premier panier. Alors tu essaies de gagner du temps, on dirait, en te querellant. Oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié, tu fais bien de me le rappeler. Bon, alors vas-y. Attention. Panier! Bravo, Samson! T'es le meilleur! Bravo! Bravo, Samson! Oh, ce n'est bien, vraiment rien du tout! Samson, allons, du calme, les filles! Et c'est pas pour toi ces acclamations! Merci, merci, c'est trop! Vous me flattez, je n'en mérite pas tant. Non, mais ça va pareil. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ces applaudissements étaient pour moi et pour moi seul. À présent, à toi de jouer, Ray. J'ai marqué un panier, fais-en autant si tu le peux. Eh oh, tu m'écoutes quand je te parle ou tu dors? T'es vraiment repoussant. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Équipe numéro 10, c'est à vous. C'est à vous de remettre en jeu, Ray. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Vous ne savez pas ce que ça signifie? Si, je crois que j'ai déjà vu ça une fois à la télé. Bon, alors j'y vais. À l'attaque! Mais non, non, espèce d'idiot, mais c'est pas comme ça, voyons! Ce que vous venez de faire, c'est au volet qu'on le fait! Ah bon, excusez-moi! Mais enfin quoi, vous jouez au basket sans savoir comment on remet en jeu, c'est fou! J'ai jamais vu un crétin pareil! Vous allez me refaire ça, et bien cette fois! Non, ne soyez pas trop dur avec lui, monsieur l'arbitre, vous êtes injuste! Pendant la deuxième mi-temps, les costauds se contentent d'assurer leur défense comme promis. Mais que dis-tu de ça, Aria? Oui, bah, c'est pas comme ça, quoi. Oui, bah, je vois bien, mais attends, attends, oula, oula, allez, c'est raté, là. Et on passe. Hé, essaie de l'attraper, si tu peux. Oh, la deuxième mi-temps touche à sa fin. Nous allons faire durer le suspense jusqu'à la dernière minute. Allez, oui, oula, 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 il faut continuer de nous battre jusqu'au bout. Les autres membres de nos équipes n'interviendront pas. Nous nous affronterons rien que toi et moi. Allez, donne-moi la balle, s'il te plaît. J'assure la défense. Toi, tu attaques, d'accord? Tu peux tirer de loin si ça te fait plaisir. Ça ne me gêne pas.
Allez, vas-y, je t'attends. Bon, il a dit ça se joue entre lui et moi. Puisqu'il semble y tenir, d'accord, je vais faire appel à mon art secret. Attention, mise en mouvement des muscles. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est transformé en monstre hideux. À présent, je suis prêt. Attention, j'y vais. Il faut à tout prix que je l'empêche de marquer. Quelle force dans le lancer! Samson, attention! Le match est terminé, messieurs. 3 à 2, l'équipe des Joyeux Loufoques a gagné. Ah quoi? Mais j'étais à 2 à 2, moi. Pourquoi 3 points, monsieur l'arbitre? Un panier marqué à l'extérieur de la ligne donne 3 points. C'est écrit dans le règlement. Quel formidable championnat, c'était chouette! On a gagné, les amis! Vous entendez, on a gagné! Fantastique, bravo, Ray! C'est magnifique! Les garçons et les filles ont gagné ce championnat! À présent, écoutez-moi tous et toutes, il va falloir se préparer pour le championnat de l'an prochain afin de faire encore mieux que cette année! Il ne faut pas en rester là! Ouah! Je crois que la transformation est terminée! Ouais, chef, chef, ouais, chef, qu'est-ce qu'il y a, chef? Oui, qu'est-ce qui t'arrive, Ray? Lorsque je demande à mes muscles de se déplacer, il s'ensuit des douleurs atroces. Je ne peux jamais dire à l'avance quelles seront les conséquences après ça. C'est vrai, quelquefois il n'a pas l'air normal du tout. Mes muscles n'arrivent pas à retrouver leur place. C'est très gênant parce que je ne sais pas à quoi je vais ressembler à la fin. ¡Gracias!